Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Tunis, Alep, Casablanca, Beyrouth en révolte, détruite ou recomposée. Ces villes sont à l'image de la Méditerranée, une région en perpétuelle ébullition. Alors quels défis doivent-elles affronter? La mixité sociale appartient-elle au passé? Quelles sont les nouvelles frontières de ces villes? Et comment y travaillent les journalistes et les artistes qui réinventent leur métier grâce au numérique? Quatre invités avec nous dans MOE et même cinq, vous verrez tout à l'heure. Bienvenue à vous Moulim El Haroussi, vous êtes critique d'art plastique, professeur de philosophie et vous êtes l'un des deux commissaires de l'exposition Le Maroc contemporain présentée à l'Institut du Monde à Paris. C'est jusqu'au 25 janvier 2015. Lima, où l'on va pouvoir découvrir les travaux d'Iman Jamil. Merci d'être avec nous. Iman, vous êtes photographe. Votre série Printemps barbare est donc exposée à l'Institut du Monde arabe dans le cadre de cet événement Le Maroc contemporain. Valérie Claire, vous êtes vous chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Votre travail porte notamment sur la réforme du secteur locatif au Liban. Vous posez une question. Disparition annoncée ou pas de la mixité sociale de Beyrouth. Ça sera présenté lors du colloque sur les villes arabes à Paris jeudi prochain, le 23 octobre, par le Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient. Un colloque auquel participe également Nassim Znaïen, qui est avec nous en direct de Tunis sur TV5 Monde. Merci d'être avec nous, Nassim Znaïen. Vous êtes chercheur et rattaché à l'Université Paris-1-Sorbonne et à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Votre travail est intitulé Bitures et ruptures, les territoires de l'alcool à Tunis, 1881-2014, comme le reflet d'une fragmentation spatiale. Alors, on a une très belle vue, Nassim, peut-être quelques mots d'abord pour ceux qui ne connaissent pas Tunis, sur l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Alors, je me trouve à Babhar, ou la Porte de France. C'est très exactement le début de la Médina et la fin des quartiers européens. On est au bout de l'avenue de France, qui lui est elle-même au bout de l'avenue Bourguiba. Et c'est particulièrement important parce que c'est le lieu justement de frontière entre d'un côté la Médina et de l'autre côté les quartiers européens. Alors les frontières, c'est justement l'objet de votre travail et par le prisme de l'alcool et de sa consommation. Comment est-ce que vous avez été amené à vous intéresser à ce sujet précis ? Bah, ce sujet précis, je m'y suis intéressé parce que je voulais travailler sur toutes les personnes et pas seulement les élites. Et la culture matérielle et la culture alimentaire en particulier m'intéressaient. Et à l'intérieur de cette culture alimentaire, il m'a semblé que l'alcool était une problématique particulièrement riche, notamment dans les milieux musulmans, ce qui me permet en fait de toucher à la fois la consommation d'alcool des élites, mais également de toutes les classes de la population. Je travaille plutôt sur la période du protectorat, mais évidemment, je suis amené à faire des liens avec la période actuelle. Alors justement, concernant la période actuelle, quelles conclusions tirez-vous de vos travaux ? Tout d'abord, il y a évidemment une fragmentation spatiale à l'intérieur de la ville de Tunis entre des quartiers où on consomme de l'alcool et des quartiers où on n'en consomme pas. Ça paraît assez logique pour ceux qui vivent à Tunis de savoir que dans la Médina, on consomme moins d'alcool que dans les quartiers européens. En tout cas, il est moins facile d'y trouver de l'alcool. Mais après, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que justement, cette séparation, cette fragmentation entre la Médina et les quartiers européens est en fait à nuancer. Parce que d'un côté, on trouve de l'alcool dans la Médina, dans certains quartiers, par exemple les quartiers de la prostitution, la rue Zarkoun, la rue Sidi Abdelaguech. Et puis de l'autre côté, il y a des moments dans les quartiers européens où on trouve moins d'alcool, par exemple le vendredi ou par exemple pendant la période de Ramadan, et donc où la frontière, la fragmentation entre les quartiers de la Médina et les quartiers européens est moins forte à ce moment-là. Alors, il y a un enseignement sociologique éminemment dans vos travaux. Vous dites, par exemple, de la même manière qu'il y a des moments pour boire, il y a également une sociabilité de la boisson. On évite, par exemple, soigneusement de croiser des personnes de sa famille dans le même café. De même, on évite soigneusement de boire avec une femme, sauf s'il s'agit d'une prostituée. L'alcoolisation, dites-vous en public, en tout cas, c'est ce que les sources veulent faire nous faire croire, est un phénomène masculin et exclusivement masculin. Pourquoi ce n'est pas vrai? Ça concerne aussi les femmes? Vous savez, en histoire, les sources, justement, veulent mettre en lumière certaines choses et ne gardent que une certaine forme d'alcoolisation. L'alcoolisation publique, l'ivresse publique, elle est essentiellement retranscrite à travers des témoignages masculins.
L'alcoolisation féminine est plus difficile à cerner, aujourd'hui aussi d'ailleurs, parce que lorsqu'on va dans un bar de Tunis où on consomme de l'alcool, notamment dans les quartiers européens, en général il n'y aura que des hommes. Comme je vais le montrer dans le colloque sur les villes arabes de jeudi prochain, les seuls moments où les sources admettent qu'une femme puisse consommer de l'alcool en public, c'est lorsqu'il s'agit d'une prostituée. En tout cas, c'est très clair pour la période du protectorat. Alors le protectorat, l'époque contemporaine également, on va sûrement vous poser la question, Nessim Znaïen, jeudi prochain lors de ce colloque. Est-ce que les lignes ont bougé en Tunisie, à Tunis, la capitale, depuis le départ de Ben Ali, s'agissant de cette fragmentation des territoires ? Bah écoutez, du côté du parti islamiste Ennahda, le fait d'interdire de l'alcool est une posture que le parti prend régulièrement. De fait, ça n'a pas concerné uniquement la révolution, mais il y a quand même de moins en moins de débits d'alcool sur Tunis. Faut savoir que du temps du protectorat, il y en avait à peu près 10 fois plus que maintenant. Et on ferme de plus en plus les débits de boissons. Cela dit, moi j'ai l'impression que, c'est ce que je vais essayer de montrer jeudi lors du colloque, il y a des postures politiques. Ennahda par exemple condamne fermement la consommation d'alcool, mais après, dans la réalité, ce qui est sanctionné, c'est le fait de ne pas respecter certains codes. Par exemple, boire entre hommes, ou par exemple, boire dans certains lieux comme les quartiers européens. Ce qui est sanctionné, c'est ça, et le fait de boire de l'alcool en soi n'est pas encore attaqué frontalement dans la société tunisienne par les autorités. Nessim, il faut savoir qu'aujourd'hui en Tunisie... Allez-y. Non, je vous en prie. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le code pénal tunisien, quiconque sert de l'alcool à un musulman, vend de l'alcool à un musulman, est passible de 15 jours de prison ferme, article 317 du code pénal. Et évidemment, ce code n'est pas appliqué, il n'est appliqué que lors de certaines occasions, par exemple le vendredi, où il est très difficile de consommer de l'alcool lorsqu'on est un Tunisien musulman. Nessim Znaïen, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. On vous retrouve donc jeudi pour ce colloque à Paris, Tunis, mais aussi Beyrouth aujourd'hui dans MOE, où on le retrouvera tout à l'heure. Sanaz Bouaye, merci d'être avec nous, on la salue. On va la voir peut-être à l'image. La voici, elle se prépare, elle est la rédactrice en chef de la version française du magazine web tunisien Inkifada. Beyrouth, justement, avec vous Valérie Claire, vous intéressez particulièrement à cette ville et vous vous posez cette question, la mixité sociale est-elle menacée, oui ou non, dans la capitale libanaise? Alors donnez-nous quelques éléments de compréhension. On vient de parler de ségrégation, de polarisation, donc effectivement c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les villes du Moyen-Orient, du Maghreb, de plus en plus d'extension des marges, de la pauvreté, et en même temps de plus en plus d'investissements, de richesses, de prix qui montent. Et donc on a une augmentation comme ça de la polarisation, de la fragmentation, avec des situations différentes selon les villes. Alors ce qui est particulier à Beyrouth, c'est que cette double augmentation se passe en particulier autour du phénomène locatif. À Beyrouth, on a une loi, un peu type loi 1948, qui perdure depuis des dizaines d'années. Alors après la guerre civile en 92, il y a eu une loi provisoire qui se perpétue. Et donc le problème qui se pose, c'est que les propriétaires ne reçoivent un loyer très très faible, ne peuvent pas entretenir leurs immeubles. Les locataires, eux, ont des loyers très faibles, ce qui permet en fait la présence de classes sociales assez peu élevées dans Beyrouth, et donc une mixité sociale. Alors, c'est un problème qui revient de façon récurrente tous les ans au Liban. Que faire? Comment améliorer cette loi? Alors il y a une loi qui vient de passer en 2014, mais alors qui n'est pas encore ratifiée, où l'idée c'est que les propriétaires puissent récupérer leurs biens ou puissent augmenter les loyers progressivement sur 10 ans, avec la possibilité pour les locataires soit de racheter, soit de progressivement s'en aller, avec des aides
pour aussi éventuellement racheter autre chose. Alors tout ça, ça nous emmène vers l'idée que il va y avoir une accentuation en fait de l'hémorragie des classes populaires du centre de Beyrouth vers l'extérieur. Hémorragie qui était commencée par la hausse des prix dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Et j'ai perdu. Tout cela, je disais, sur fond de guerre, souvent, il y a eu 2006, la guerre avec Israël, les bombardements, destruction, reconstruction, ça a un impact ? Alors, l'impact au Liban, c'est celui des réfugiés. On est dans un mouvement où, petit à petit, le logement à faible coût au centre de Beyrouth est de moins en moins important, alors qu'il y a de plus en plus de demandes avec plus d'un million de réfugiés syriens. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, le bouleversement de la région transforme complètement les marchés fonciers, immobilier, locatif, de propriété, parce qu'on a des demandes énormes, on a une offre qui n'est pas du tout adaptée, et on reviendra peut-être ensuite sur la question dans sur cette problématique. Moulay Melaroussi, on imagine que la mixité sociale, c'est une problématique qui se pose aussi au Maroc, je pense notamment à Marrakech. – Oui, à Marrakech, à Casablanca, c'est quelque chose qui… à Fès aussi, ce sont de grandes villes… historique. Attractive aussi, attractive. Du coup. Bon, il y a surtout à Marrakech et à Fès une population européenne qui s'installe aujourd'hui et qui. On dira qu'il y a du bon et du mauvais dans cette histoire. Et il y a bien entendu le fait que ces Européens qui achètent des maisons, qui rachètent des maisons, vont les restaurer. Et donc, c'est une très, très bonne chose. Et donc, ça va les maintenir en vie. Mais il y a aussi ces départs de ces habitants qui vont se trouver des maisons… – En dehors de la Médina, souvent. – En dehors de la Médina, et donc changer complètement leur manière de vivre. Et des fois, c'est très difficile, même s'il y a des associations qui assurent le suivi, justement, de l'intégration de ces populations dans les nouveaux quartiers. Ouais. – Alors, Iman Djamil, les villes, ou plutôt même les territoires, ce sont des thèmes qui vous inspirent. L'une de vos séries photos s'appelle d'ailleurs « Déshabiller sa terre pour mieux la réchauffer ». Vous nous montrez notamment Tarfaya. Pourquoi ce choix de faire des portraits de territoires, de paysages. En fait, à travers la série des habits et sa terre pour mieux la réchauffer, c'est la personnification de deux villes, de Tarfaya et de Casablanca. Mmh. Et en fait, je ne représente pas vraiment Casablanca sur les photos, mais c'est aussi un projet d'écriture. Donc Casablanca, c'est une ville sur laquelle j'ai beaucoup écrit. Mais sur les photos, on ne voit que Tarfaya. Et donc, en fait, c'est une personnification qui témoigne du fait que l'équilibre, que ce soit dans une ville ou chez une personne, est juste un idéal inatteignable et que en fait, la beauté, que ce soit de l'espace ou encore de la personne, résulte de la confrontation entre deux extrêmes. Et en fait, la beauté, la beauté de l'espace, en l'occurrence ici de Tarfaya et de Casablanca, et la grandeur d'âme de la ville. Et ce sont deux villes qui ne sont pas... ces deux villes qu'on n'aime pas parce qu'elles sont belles dans le sens esthétique, mais ce sont deux villes qui ont une âme. Et donc, en fait, Casablanca, c'est un peu la figure de la prostituée qui est un peu pénétrée par tous les jeunes ambitieux, parce que mine de rien, Casablanca, dans les petits villages, c'est the American dream, parce que tout le monde veut aller à Casablanca. Et donc, en fait, on ne fait même plus attention à Casablanca en tant que terre. Du coup, en fait, Casablanca, au final, elle représente le géant balafré, mais qui fascine. Et donc, Tarfaya, au contraire, c'est pas du tout ce géant-là, mais elle fascine parce qu'elle témoigne d'une sagesse. Et c'est aussi une ville, en fait, qui n'est pas épargnée parce qu'au-delà du fait qu'on a l'impression qu'il y a une harmonie parfaite, c'est aussi une ville qui a connu... les Espagnols y étaient installés au XXe siècle, les Anglais avant, et ils ont laissé pas mal toutes les ruines qu'on a là, c'est des richesses de l'histoire. Quoi. Ouais. Et donc, il y a une forteresse au milieu de l'océan. Et cette forteresse, en fait, elle a été construite comme comptoir commercial par les Anglais. C'est ensuite devenu une prison. En fait, au départ, c'était pas au milieu de l'océan, mais c'est juste que l'océan a recouvert cette plaie historique. Ouais.
C'est ce que vous essayez de saisir avec votre appareil photo. On va aussi découvrir tout aussi saisissant votre exposition Printemps Barbare. J'ai bien dit Printemps Barbare. Vous allez nous expliquer pourquoi ce titre. Mais d'abord, je vous propose justement une visite guidée à l'Institut du Monde Arabe à Paris, où se tient donc l'exposition Le Maroc Contemporain. Visite guidée avec Sylvia Garcia et Cédric Alliot. Ce travail, je crois qu'il parle plutôt de ma culture religieuse, donc marocaine et pas que. Il y a des inspirations soufis. Ça vient d'un texte qui parle des 77 branches de la foi, donc il y a 77 lustres. Je viens d'une culture où il n'y a pas d'image, où on ne montre pas. Ce qui m'a séparé de la photographie occidentale, c'était ne plus montrer, mais essayer plutôt de démontrer que le drame, c'est pas humain. Elle traite un objet qui est très particulier. D'ailleurs, c'est une spécificité marocaine, de peinture qui existe toujours. Or, cet objet, il a aussi plusieurs dimensions, spirituelles, économiques, sociale et politique. Ça peut symboliser l'arnaque politique ou bien une dimension qui est très, très sexuelle aussi. Le Maroc est un lieu effervescent de création et aujourd'hui on présente ça ici. Et puis avec l'ouverture du musée de Rabat aussi, donc il y a beaucoup de choses. C'est le Maroc en folie. Moulim El Haroussi, comment avez-vous fait votre choix d'artiste, notamment celui d'Imane Djamil, pardon, quels ont été vos critères? Écoutez, on est d'abord parti d'une commande, parce que l'Institut du Monde Arabe et le Maroc ont voulu montrer l'effervescence culturelle et artistique marocaine à Lima. Et l'effervescence actuelle, ce qui se passe aujourd'hui et non pas ce qui s'est passé avant aujourd'hui. Bien entendu, quand on dit ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui est contemporain, ce qu'il y a de vivant, ce qu'il y a de vital aujourd'hui au Maroc. Il y avait une seule solution, c'est d'aller voir ce qui se passe effectivement au Maroc, parce que depuis un certain temps, on parle d'effervescence culturelle, artistique au Maroc. Et il fallait savoir sur le terrain si, où expérimenter ce concept-là d'effervescence, ouais, qu'on avait appelé à un certain moment à Casablanca même Naïda, ce mouvement de musique et d'art plastique qui s'était manifesté vers la fin des années 90. Nous avons sillonné le Maroc, ouais, tout simplement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et nous avons rencontré des artistes ou reçu des dossiers, comme celui de Imane, par exemple, que j'ai reçu et je ne l'ai pas rencontré directement. Et au fil du temps, en avançant sur le terrain, on collectait des dossiers et des dossiers on est arrivé à peu près vers 400 ou 500 dossiers, ouais, sous la main. – Donc plutôt des jeunes, plutôt des femmes ?– On n'a pas fait de distinction. Ouais. On s'est dit, on va travailler d'abord sur les dossiers. D'accord. Et en étudiant les dossiers, on a vu se dégager des problématiques, des thématiques qui préoccupent les jeunes et les moins jeunes marocains, artistes marocains. Et c'est à ce moment-là qu'on a arrêté ces thématiques, et on s'est dit, voilà, qui pourrait rentrer dans cette thématique, dans ce souci, cette préoccupation des artistes marocains, et c'était évidemment la critique sociale, l'approche de la religion, de la spiritualité, comme on vient de le voir, c'était le corps, mais pas le corps représenté ou dessiné, mais le corps mis en jeu. Ouais. C'est-à-dire la grande majorité, surtout des filles qui font de la photographie, mettent leur corps en jeu et non pas, elles s'intéressent au corps des autres. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de très, très important dans une société comme la nôtre, marocaine, mais aussi maghrébine et arabe, où il y a encore beaucoup de tabous concernant le corps. Mmh. Je voulais juste, Imane Djamil, pourquoi Printemps Barbare, alors du coup, ce qu'on va pouvoir voir à l'Institut du Monde Arabe, allusion bien entendu aux printemps arabes, hein, on imagine.
Oui, en un sens, c'est printemps barbare. En fait, printemps parce que c'est synonyme de jeunesse, et barbare, c'est parce que, en fait, ce mot a deux définitions. Il y a deux manières de voir ce mot, en fait. Barbare, pour certains, est synonyme de violence et de brutalité, alors que pour d'autres, c'est la simple expression de la différence. Et donc, c'est un peu comment la jeunesse est vue et comment elle voit. Donc, en fait, par exemple, juste pour l'anecdote, pour la plupart des photographies de la série, j'ai eu des problèmes parce que, bon, en fait, il y a une certaine frustration, en fait, par rapport à la photo dans les lieux publics. Ouais. Et donc, en fait, par exemple, pour la photo avec la fille qui a les cheveux accrochés à l'arbre, ouais. Ben, en fait, on a reproché à cette série-là d'avoir un caractère pornographique. Ouais. Et donc, j'étais en train de faire la photo dans une forêt, en pleine semaine, c'est-à-dire que c'était vide, il n'y avait vraiment personne. Et là, il y a un garde forestier qui vient pour me reprocher ça, justement. Vous dites d'ailleurs qu'on a tendance à confondre érotisme et pornographie. Oui, oui. Et donc, en fait, donc c'est pour ça que j'ai appelé la série comme ça, parce que au centre de la série, il y a la jeunesse. Ouais. Et ensuite, ce ne sont pas que des photos, parce qu'il y a aussi le texte à côté. Donc, j'ai écrit pas mal de poèmes et de petits textes. Et donc, en fait, c'est à travers cette série, en fait, c'est la reconnaissance de la morale, de l'éthique comme quelque chose de contingent, parce que c'est comme ça peut ne pas être, et c'est juste, la création originelle étant tellement peu comprise, on essaie de mettre la culture sur un piédestal et d'établir une vérité temporelle, alors qu'au final, ce qui est véritable et absolu, c'est la nature, donc la confusion. Et donc, en fait, à travers cette série, c'est la reconnaissance du corps comme étant nature. Et donc voilà. Et aussi, j'essaie de mettre en avant l'aspect poétique, parce que la poésie, c'est un peu, c'est un peu une réaction contre la vitesse qui régit le monde maintenant. Ouais. Et au sens littéral, c'est prendre le temps de former des mots, des phrases, mais au sens plus large, c'est aussi prendre associer, du recul aussi. Ouais. Et associer différents éléments pour l'exploration de la subjectivité. Alors, le numérique, justement, tout va très vite avec le numérique. Et bien, justement, on va prendre la direction de Beyrouth, en direct de l'Institut français de la capitale libanaise, où nous attend Sana Zbouaï. Merci d'être avec nous dans MOE sur TV5 Monde. Vous êtes la rédactrice en chef de la version française du magazine web tunisien Inkifada, qui participe au forum 4M Beyrouth, organisé par CFI et par Skies, et par Samir Kassir Eyes, les yeux de Samir Kassir, confrère assassiné au Liban. Alors, on parle aujourd'hui de data journalisme, justement. Inkifada fait partie de ce nouveau paysage médiatique. Comment définiriez-vous sa ligne éditoriale ? Alors, bonjour à tous déjà. Nous, on fait du slow journalisme. Ça veut dire que l'idée pour nous, c'est de prendre du temps et de traiter les sujets aussi bien sur le fond que sur la forme, avec une temporalité différente. Du coup, la ligne éditoriale se base en partie là-dessus, et avec aussi pour idée de choisir des sujets peu appréhendés en Tunisie, pour permettre aux citoyens, aux lecteurs, de s'informer sur des sujets importants, de s'informer autrement et de vivre une expérience de lecture qui est offerte par le travail des développeurs. Alors, parmi les thèmes que l'on peut lire sur Inkifada, il y a Sana, les hammams, patrimoine oublié, l'environnement aussi, un article intitulé « Poubelles, les points noirs de la Tunisie, les citoyens et leurs ordures, quelle responsabilité ?» Et vous parlez aussi d'un couple, Mohamed Ali et Amina, ce sont les parents d'Hicham qui a tout juste un an et demi. Ils vivent avec 1023 dinars par mois et ils en dépensent 1299. Vous avez fait le choix de l'humain plus que des statistiques. Quand on parle d'économie, on parle souvent de PIB, de tourisme en Tunisie. Pourquoi ce choix ? Justement, nous, l'idée, c'est de donner la parole aux citoyens, c'est de montrer des histoires que l'on voit peu. Donc là, on s'est inspiré du travail de nos amis de Rue 89, qui très gentiment nous ont dit « Ok, prenez notre porte-monnaie au rayon X et faites-en ce que vous voulez en Tunisie. » Donc nous, on a travaillé là-dessus en se disant « Si jamais les gens ne veulent pas lire, même si c'est l'opposé de notre démarche, si jamais les gens ne veulent pas lire, il est important d'avoir des infographies qui résument le plus important de cet article, sa substance. Et la substance, là, elle est économique. Et quelque part, on retourne à une des demandes quand la révolution a eu lieu en Tunisie. Les gens voulaient vivre mieux, avoir plus de travail. Et nous, on a trouvé une manière de faire une boucle, de parler de cette question-là d'une manière
réel, puisqu'il n'y a pas d'analyse, c'est le témoignage de ce couple avec ce bébé, et au même temps d'une manière un peu ludique, avec cette infographie qui est très sympa et qui peut être partagée et qui est comprise très facilement. Merci beaucoup Sana Sbahi, rédactrice en chef du magazine web tunisien Inkifada. Merci d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth. Valérie Claire, peut-être quelques mots sur d'autres villes, d'autres capitales, d'autres grandes villes du Proche-Orient. Alep, par exemple, en Syrie, elles sont toutes détruites par la guerre. On imagine que vous suivez ça de près. C'est-à-dire que c'est vraiment un nouveau chantier pour la recherche, cette région dont les villes sont... Bon, c'est à partir des villes hein, que tout a démarré. Mmh. C'est les villes qui en payent le fort prix. Les destructions, c'est ce qui ne sont pas uniquement des conséquences de la guerre, mais aussi des actes délibérés, ouais. des millions de gens déplacés, des lieux qui changent, hein, c'est-à-dire que des lieux qui étaient sûrs deviennent insécures, des lieux qui étaient riches deviennent envahis par des réfugiés, etc. Donc on a tout qui bouge, et puis on a des gens qui réfléchissent sur la reconstruction, ici et ailleurs. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est à partir de quels principes, hein, on parlait tout à l'heure de mixité sociale, à partir de quel principe est-ce qu'on peut commencer dès aujourd'hui à réfléchir sur la reconstruction des villes Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler des destructions, on est pris par le temps, on est pris par le temps et la son. On aura l'occasion d'en reparler dans Maghreb Orient Express. Merci à tous les trois d'avoir participé à MOE. À très vite sur TV5 Monde, à dimanche prochain même.